Depuis plus d'un siècle, les athlètes font ce signe étrange sur les podiums des Jeux Olympiques. Toujours cette mystérieuse poignée de main. En fait, en regardant bien, c'est bizarrement le même symbole qu'on retrouve sur les temples d'une secte ultra secrète, les Mormons. Et si les Jeux Olympiques n'étaient qu'un complot de cette religion occulte? Regardez simplement le logo des scouts mormons. Ça ne vous dit rien? Eh oui, bien sûr, c'est la flamme olympique. Et le symbole numéro un des Mormons, un ange qui souffle dans une trompette. C'est une allusion évidente au vouvouzéla des supporters de sport. Les Mormons sont aussi connus pour être polygames. Et devinez quoi? En ajoutant simplement deux lettres à polygamie, on obtient l'anagramme parfait de Olympic Games. Coïncidence? Je ne crois pas. Un mormon peut avoir jusqu'à 5 femmes, ça veut dire 5 alliances. Et 5 alliances, qu'est-ce que ça donne? Eh oui, le logo des JO, les 5 anneaux olympiques. Et en 2002, quelle ville a réussi à corrompre le comité international olympique pour organiser les Jeux? Salt Lake City, comme par hasard, la ville fondée par les mormons est le siège de l'église. S'il vous fallait encore une preuve, regardez le logo des Jeux olympiques de Sochi. Qu'est-ce qui saute aux yeux? Bien vu, les pictogrammes écrivent très clairement « Mormon ». Maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas.